et Tuku Togo. Alors, les nouvelles. On va prendre un rendez-vous avec ma curatelle d'ici 3 semaines, parce que là, elle est partie en vacances par rapport à un logement. Et j'ai bien compris, il faut vraiment que je parte de mon appartement ici à Sarcelles, parce que c'est beaucoup trop cher. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, la priorité, c'est de prendre un rendez-vous avec ma curatelle, avec mon copain et moi. De toute manière, elle était d'accord, il n'y avait aucun problème. Donc, j'ai laissé un message au frère sérieux. Et j'espère qu'elle va avoir mon message, parce qu'elle part bientôt en vacances. Donc c'est ça la priorité. Maintenant, j'ai aucune piste. Peut-être que j'ai une piste de logement à Sultan, mais c'est moi, c'est hors de question. Je n'ai pas à faire deux voyages pour quelques mois. Franchement, ça va me gaver. Et Sultan, c'est mort, j'ai horreur de ça. Je me suis barrée à Sultan pour être dans la centre-ville, tout à proximité. Moi, honnêtement, je n'en suis pas capable de le faire parce que déjà, ça porte le moral. C'est épuisant. Et deuxièmement, mon copain, il est vraiment pas courant, il n'y a vraiment pas l'énergie et le moral pour faire deux déménagements. Donc voilà, où que ça en est. J'attends de voir avec ma curatelle et prendre un rendez-vous avec elle pour l'instant. Donc ça, c'est fait. C'est parti pour Noz. On a acheté des glaces comme ceci. Donc j'ai pris les Magnum chocolat blanc et framboise. Voilà, comme ceci, par 4. Je vous dirai les prix après. Des Häagen-Dazs, vanille, caramel et amande au chocolat. Tout ça va partir comme des petits pains. Alors, je vais les épeler combien? Prends un papa. Y a-t-il un bic qui traîne? Non, il n'y a pas de bic. Tu peux passer le bic, chachant. Ok. Alors, le Magnum, je les ai payés. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Il fait 31 degrés. Ouais. Moi, tout, il y avait la clé dans la maison, donc c'est bon. Les glaces. Magnum, 1,79 €. Häagen-Dazs. €2,99. Voilà, ça. Ensuite, on a offert une pizza parce que mon chéri, samedi soir, il y a un jeu de rôle et que ben, il prévoit une pizza. Peut-être une bouteille de coca? Non. Oh, alors? Il y a une bouteille d'Oasis, je crois. Ah oui, vas-y. Oh. Bon, les femmes sont interdites pour cause de délit de contraception. Donc, du coup, ben, comme d'habitude, je vous ai dit, je ferai peut-être une invitation. Ou alors, je reste toute seule et je regarde les fourrières. À la bonne franquette. Et ça, c'est coûté 3,70 €. La pizza aux trois fromages, elle est très très bonne. On l'a déjà testée. Et ça, je vous la recommande fortement. Ça, il faut que je regarde parce qu'il va la partir. Ensuite, il a trouvé un short de travail. Voilà, comme ceci. Un petit cœur d'amour. Tu as payé combien, mon amour? 9,99 €. Voilà. Donc, c'est un short stretch, on dirait. Ouais, il a l'air incroyable ce short. Taille 40, si je me trompe pas. Non, 42. 42? Ah bon, je tape 42. Fridas, let's get to work. Et il y avait le choix, cette couleur verte, ouais, ou un peu bleutée. Ou un peu bleutée, ouais. Et j'aimais bien lui parce que bon, il passait pas passe-partout. Et il y a plein de poches, donc ça c'est plutôt bien. 1, 2, 3, 4. 4 en tout, 5, 6. 5, 6, 5, 7, 4, 8, 9, 10. Il y a 10 poches en tout. C'est incroyable. Il y a fermeture. Et franchement, c'était nickel comme affaire. Et je dis non, t'inquiète pas, j'ai un petit truc parce qu'on a un budget limité. Voilà, comme ceci. Il y a des poches partout, donc ça c'est plutôt avantageux. Des poches au côté, des poches aux fesses. Ça, et il y a des jambes droites, il y a une attache à bouton, une fermeture. Et il y a des passants en bas de ceinture. Donc voilà, il a fait une petite affaire pour aller travailler et pour faire son feu d'artifice parce qu'il y a une association avec son feu d'artifice. Ouais, tu peux acheter. Ouais. Voilà un petit peu les nouvelles. Donc 9,99 €, ça va vraiment plus cher pour le travail. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, on continue. Je me suis acheté des sorlets, des claquettes. Bah, pas des claquettes, des.
basket, planche holographique. J'ai un gros coup de cœur. Bon, c'est du 41, mais je me dis que je les ai essayés et ça taille bien parce que j'ai aussi des semelles de podologue et franchement, elles sont trop trop belles. Elles sont noires, planche holographique. C'est la marque Sports. J'ai payé ça 16,99€. Je me suis fait une petite folie. Franchement, c'est très rare que je flash sur des baskets. Elles sont hyper confortables. C'est des chaussons, les trucs. Voilà, c'est vraiment très très bonne qualité. Je sais pas à coup combien sur le internet, mais franchement, trop belle. Voilà, je vous la montre. Et si je peux, je vous retrouverai la marque et je ferai une photo. Voilà. 41. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Oh. Nous avons pris des gâteaux Trio Choc Midcamp. Ils sont super bons selon. Je ne sais pas. C'est pour combien? C'était 6 petits gâteaux au choix. Pas au choix. Oh bah les deux. Hein. On les a payés. Il n'avait pas le prix dessus, c'est bizarre. Ah, 1,69€. Voilà. Les petits hacks, moi je vous dis tout de suite. J'ai trouvé du chocolat Nestlé. Ah oui, d'accord, carrément. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'était un lot, c'est ça qui m'a intéressé. C'était du chocolat au riz soufflé caramel. Ça, vous le connaissez, je l'ai goûté, il est trop bon. Et vous avez 3 plaquettes de chocolat au lait classique. En tout, 3,95€. Tout ça. Ah, il y avait aussi les chocolats comme ça, mais version Kinder, de Nestlé. Il m'intéressait bien, mais... je pourrais prendre un lot, comme ça moi j'ai de quoi manger du chocolat. Je les ai payés combien les Nestlé? 3,95€. Ensuite, on a trouvé ça, un assortiment de chocolat. Nestlé également, les Jungly, chocolat ou les classiques, chocolat blanc, Blanco, extra fin, dinosaurus. Ouais, c'est des petits chocolats bouchés au biscuit. Ils sont super bons selon, j'en ai un très bon souvenir. Ensuite, j'ai pris des petits trucs de chocolat. Il y avait des petits pochoirs comme ça. Ah, 59 centimes, là c'est au bœuf. 85 grammes. Donc j'en ai pris de chaque. Et j'ai pris aussi au canard. Ah, ouais, au canard. Happy Cat. Voilà, des petits trucs comme ça, 85 grammes, pareil, 59 centimes. J'en ai pris 2 au bœuf et 2 au canard. Donc un de chaque. Voilà. Après, il y avait un emballage de bonbons, 1,25€, des Skittles Movie. Ils sont super bons, ceux-là, je les ai bien aimés. Je l'ai déjà goûté. Et j'ai pris des boîtes pour mes chats. J'ai remis des trucs parce que, comment vous dire, mon copain, il voulait pas prendre son short de travail. Mais je dis, non, t'inquiète pas, on peut remettre des trucs, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'ai remis des trucs, hein, je peux vous faire blablabla. Sinon, ça va durer éternellement. On a pris ça pour 50 centimes, aliments humides de chat adulte au poulet, 2 petites boîtes de 85 grammes, c'est chicken. Bon, c'est aucune marque, il n'y a pas de spray précisé, non, c'est pas tout précisé. Oh, nature et things nature. Voilà, des petites boîtes pour les chats. Ensuite, ça c'est fait, on va passer à Too Good To Go. Alors je ne sais pas ce qu'il y a parce que j'ai pas vu que ma compagne utilise et a jeté un neige. Non, ne le dis pas, je vais regarder avec les abonnés. Alors, je vais remettre les couches de notes parce que sinon c'est la foule d'Avo. J'ai hâte de faire ça, une crochet parce que je me prends la tête pour trouver à l'ordination, ouais. Super cher quoi, 800€ charge d'un coup, non mais ça fait de la gueule des gens en fait, les gens. Hop là. Là, je suis maintenant dans la salle de frein, je laisse ça tout. Ouais. Alors, voilà, Too Good To Go. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, Too Good To Go, on l'a eu à la station essence
pour de la croix d'Arzin, à peu près. Près du pont Jacob, si je me trompe pas, au niveau du tram, il y a une station sur essence plus loin. Et c'était 4 euros à celle, 3,99 €. Donc, moi, je dis, bah, tu fais comme tu veux, mais mon copain dit, on en prend un, on en prend deux. Toi, je dis, tu fais comme tu sens, mon cœur. Donc, on en a pris deux. Premier sachet, qu'est-ce qu'on a? Ah! Deux poulets rôtis. Dona, le moelleux. Ça, c'est trop bon. Ça va être très, très bon et rafraîchissant. Deux poulets rôtis. Voilà. C'est bien. C'est super pratique. 250 g. 230 grammes Dona et Red Bull édition goût fruit du dragon. Ça, ça va plaire. Ah, fruit du dragon, incroyable. Ah, moi j'aime bien, c'est au niveau des yaourts, tout ça, les fruits du dragon. Je sais qu'à un moment, ils avaient fait pour le vin chinois, en général, c'est Lidl ou Aldi, ils font des yaourts au fruit du dragon, je pense, d'après mes souvenirs, parce que ça monte. Et il y a eu un Red Bull, fruit du dragon. Enfin, moi, je bois plus vite, on boit trop de gazette. Ah, oh, ça va du bien. Bon, c'est super intéressant. Alors, The Green Edition. Une canette. Voilà. Ah, ça chie. Ça, pour 4 euros, ça va. 210 ça va. Ah, troisième sandwich, poulet rôti, crudité, mayonnaise. C'est la même sandwich? Ouais. T'aimes bien le poulet rôti? J'adore. Ah, bah, t'as pas aimé, il serait avec moi. Voilà. Ouais, je le sais. On m'a mis. Ça va rafraîchir, ça va rafraîchir. Et ce matin, j'ai pris beaucoup de tomates, j'ai fait des pâtes. Et, là, j'ai mélangé deux fours de pâtes, de macaroni et vermicelle. Au moins, ça s'est fait. Et j'ai rajouté du beurre persillé qu'on a vu en Belgique. Hop, ça, c'est que dedans. Et puis voilà. Une Sodebo Creamy Box, genre bois émental râpé. Ça sera plus mon chéri parce que je mange pas de porc. Bon, ça fera l'affaire à chaud. Oui. Pago, elle a 30 centilitres. Je cherche le mot. Eh ben franchement, j'aime beaucoup parce que c'est des produits qu'on aime bien. Ah ouais. Ouais, pour... c'est que les bons produits. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Hein. Franchement, j'étais bien. Je suis bien, bien, bien contente de mes petits chats. Voilà, voilà, ce retour de course nausée, too good, too go est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker. Et dis-moi en commentaire ton avis. Ça ferait grand plaisir de t'accueillir et d'avoir ton avis personnel. Donc, petite précision, juste curatelle renforcée. J'ai 34 ans et j'ai malheureusement pas le choix. Je dois changer de logement pour ceux qui me découvrent. À tout prix, parce que j'ai 800 euros de charge et qu'en fait, eh ben, on se fait bien la gueule avec une résidence. Donc, du coup, ben, je pense que bon, je vais en parler à ma curatelle, mais de toute façon, elle n'est pas contre. Hein, on a discuté hier au téléphone, puisque c'est pas mal en téléphonique, c'est le mercredi matin. Et la loi n'interdit pas de voir un majeur protégé s'en aller vivre avec son copain. Voilà, ça allait vivre. Avec son compagnon dans sa maison, dans son appartement, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je pense que c'est la meilleure solution à vivre. J'ai pas envie de casser la tête avec un autre logement, faire un déménagement, enfin, en plus que c'est mon copain qui va faire avec moi. J'ai pas envie de faire ça. Honnêtement, ça me va prendre la tête, je vais dégoûter, parce que je sais pas où je vais aller, sur qui je vais tomber. Faut que. Voilà quoi, il y a plein de trucs à accepter. J'ai que la lâche, allocation handicapée à mon souhait, enfin à mon titre, on va dire ça comme ça. Je suis sous curatelle renforcée, donc protection des majeurs, et il y a certaines agences qui ne prennent pas en compte, donc c'est tout à casse-tête. Beaucoup de refus, j'ai déjà eu le tour. Et le logement que j'ai ici, c'est un particulier, c'est une résidence privée. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de charges, d'après ce que ma curatelle elle m'a expliqué. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et à un moment donné, bah, je peux plus. Quoi. Donc on verra bien dans 3 semaines, un mois, suivant les choix, suivant le rendez-vous avec ma curatelle, et mon copain, et moi.
Voilà, voilà pour la nouvelle. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop embêtante avec mes problèmes personnels. Mais je vous le dis, c'est une chaîne de témoignages et il y a beaucoup de gens qui me demandent. Voilà, car je donne aussi, je prends des nouvelles et je donne aussi des explications. Du voilà, du tout ça fresca, comme on dit dans le sport. Tout ça fresca, tout ce bordel. Et hop, ça c'est fait. T'as des choses à rajouter, mon chat? Pas une petite blague? Vigilorum. Ah ouais. Vigilorum par Stroloche et tout ce que t'as soumis. Bah non, les pirates, ils faisaient de la piraterie en buvant du rhum. Et quand tu fais de la piraterie, c'est parce qu'il fait chaud, t'es sur la mer. Donc le rhum, c'est une boisson qui peut avoir quand il fait chaud. Bon, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé à cause de modération. C'est juste de l'humour. Hein. Et sinon, Bah rien. C'est tout. C'est tout. Voilà. On vous fait faire un gros bisou et prenez soin de vous.